Et salut YouTube, on est parti pour une petite découverte, non pas d'un clavier, mais d'un jeu. On est sur Ratopia, du coup, la démo. Le jeu sort la semaine où j'enregistre là. Donc pour vous, ce sera sûrement plus tard. Enfin, ce sera déjà sorti en fait, vu que j'ai beaucoup de retard. Mais voilà, j'avais envie de tester. J'ai vu qu'il y avait une démo dispo. Du coup, Ratopia, c'est par les mêmes devs que ceux qu'on fait Ratropolis, si jamais vous connaissez le jeu. Et du coup, on va jouer au clavier, hein. Comme ça a l'air ok. Ok. Par contre, c'est vraiment full clavier, quoi. Y a pas de souris, ça me perturbe. Je regarde vite fait, hein. Comme tranquillement, quoi. Y a pas genre ah si clavier souris. Ah bah voilà. Appliqué. Ah ouais. Là, c'est beaucoup mieux. Ah non, parce que juste clavier, c'est un peu chelou quand même. Du coup, Ratopia, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un peu comme. Genre un jeu de survie un peu à la Oxygen Not Include. Je crois que c'est ça le nom du jeu. Il y avait un jeu comme ça que j'avais bien aimé, c'était avec des nains, mais je sais plus c'était quoi le nom. Du coup, dit comme ça fait chelou, mais. Tutoriel activé, vas-y, on laisse de base, hein. Est-ce qu'on peut choisir des trucs de toute façon? Ah, on peut choisir la. C'est marrant, on peut choisir la. Le skin de notre perso. C'est très bien comme ça, hein. Ah ouais, on peut changer la difficulté dans la démo, c'est marrant ça. C'est pas souvent. Je me demande jusqu'où je suis allé. Enfin, ces assassins semblent abandonnés, mais mes fidèles sujets sont également disparus. Je suppose que je devrais rester ici et me préparer. Peut-être que cet endroit pourrait devenir le nouveau chez moi. Ouais, du coup, on va construire une sorte de ville avec. Je sais pas comment expliquer en fait. Dans ma tête, c'est clair, mais pas mes explications. Mais vous allez vite comprendre ce que c'est, quoi. Plutôt efficace. Et l'autre, il s'est cassé. What? Votre Altesse, comment allez-vous essayer ZQSD Space pour vous déplacer? Comment ça, espace? Ah ouais, ok, d'accord. Par contre, attends, what? Attends, mais. Ça me met en QWERTY? Pourtant, je suis en clavier français. C'est quoi cette arnaque? Bon, après, c'est pas grave, je vais juste changer la. Attends, je vais changer. Le clavier est changé là pourtant. Mais ça marche toujours pas. Wesh. Wesh, en fait, le. What? C'est trop bizarre. Genre la commande. Z. Aller en haut, Z. Bah ouais. Ouais, c'est bien Z. What? Trop bizarre le. C'est ma touche Q qui marche pas. Ouais, non mais c'est trop bizarre. En fait, c'est comme si j'avais un clavier anglais. Attends, et si je me mets en QWERTY, est-ce que ça marche? Je suis désolé, hein. Mais c'est important quand même. Ah là, ça marche, mais ça n'a aucun sens. Genre sur. C'est le jeu qui détecte que j'ai un clavier anglais, mais genre sur Windows, je suis en clavier français. Du coup, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Contrôle le point de visée. Ok, tac. Tout va bien pour vous. Toutes les interactions se basent sur la visée. Ouais, ok. Désormais, je vais vous enseigner ce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser. Ouais. C'est-à-dire. Premièrement, laissez-moi vous montrer comment interagir avec les objets. À commencer par cueillir. Ouais, ok. Essayer de bouger, viser, interagir pour récolter des bûches.
Ah ok, faut que je maintienne en fait. Je croyais qu'il fallait juste que je clique. Il y aura de nombreux moments où les objets se trouveront au même endroit comme ça. Dans un tel moment, utilisez simplement Tab pour viser l'objet souhaité. Essayez d'utiliser Tab maintenant. Mais ça marche pas. Ah ouais, si, ok. Ramasser. Ah, on peut ramasser jusqu'à 3 objets. Viser l'endroit où les placer et utiliser un. Okay, stockage, c'est quoi, c'est ça? Mettre dedans. Ok, il y a juste besoin de cliquer pour ça. Lorsqu'ils ne sont pas complètement retirés, les plantes repoussent après un certain temps, d'accord. Ensuite, il y a l'exploitation minière. Vous pouvez, de manière surprenante, creuser avec clic gauche, toujours. Ok. Déplacez-vous, visez, interagissez pour obtenir de la terre. Et placez-la dans le stockage. Cueillir de la terre. Vas-y, je cueille de la terre. Mais du coup, ça va casser la souche. Ouais, ouais. Ah, mais j'avais besoin que d'en casser un, en fait. Parce que ça donne 3 pour un truc, en fait. Bon, c'est pas grave. Attention à ne pas creuser trop profond, vous pourriez ne pas pouvoir ressortir. Maintenant, en utilisant les ressources récoltées, essayons de construire une structure. Oh, la maison en pierre. En terre, pardon. Pour construire, suivez 3 étapes. Placez le plan, fournissez les ressources et construisez. Ah, il y a des plans. Utilisez Q pour ouvrir le menu des commandes et placer une échelle. Base. Échelle. C'est bon, non ? Bien joué, seulement lorsque suffisamment de ressources sont stockées, un plan peut être placé. Lorsqu'il y a des ratoyens, ils approvisionnent et construisent, mais pour l'instant, vous devez le faire vous-même. Lorsque vous placez mal un plan, vous pouvez annuler avec l'option annuler sur la commande. Lorsqu'un plan est placé sur des tuiles, elles doivent être extraites avant la construction. Ok. Appuyez sur F sur le stockage pour prendre des ressources pour le plan. La plupart des structures peuvent être examinées en détail avec F, comme vous venez de le faire. Pour utiliser la fonction d'une structure, veuillez utiliser les touches de déplacement et E, puis utiliser E pour consulter les ressources stockées. What? Appuyez avec Tab, vous pouvez insérer ou retirer ce que vous tenez ou ce qui est stocké. Ok, donc faut que je prenne ça. Faut que j'en prenne combien? Je peux en avoir 3 mats en fait. Je sais pas combien il m'en faut en fait. 2. Ah putain. Excellent travail, après avoir fourni les ressources, le plan est prêt à être construit. Interagissez avec le plan prêt à être construit pour finir la construction. Non, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. En fait, j'aimerais replacer un bloc. Il faut d'abord que je le mette, en fait, faut que je fasse un plan pour ça. Attends. Utilisez QR pour changer les catégories sans quitter l'écran. Ok. Bloc de terre. Ah, ça a un coût de construction de construire ça. Ah ouais, putain, faut faire gaffe à ce qu'on fait, du coup. Hein. On demande la vitesse de celui qui se déplace dessus. Moi, je voulais juste réparer ce que j'ai fait, là, les conneries que j'ai fait. Mais du coup, ça va me coûter de la thune. Bon, après, on a 10 000 boules, là, donc... touch. Voilà.
là, faut que je le maintienne. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Super, je parie que vous ne l'avez jamais utilisé auparavant, mais les échelles sont très utiles pour monter et descendre. Mais non, c'est vrai. C'est incroyable les découvertes qu'on fait là. Rappelez-vous que seuls les objets de tuiles tels que les échelles, blocs et toits peuvent être placés en plein air. Je suppose que vous avez bien appris les bases. Maintenant que vous connaissez les actions de base, ramenons les ratoyens errants à la ville. Mais pour ce faire, une entrée de la ville est nécessaire. Alors pourquoi ne pas construire une entrée dans les structures royales? Attends, moi je fais le ménage parce que j'aime pas quand il y a des trucs qui traînent. Voilà. Faut que ce soit propre. Elle est chelou l'échelle un peu, je trouve. Du coup, construire. Royal. Avant de choisir les structures à construire, vous pouvez consulter les informations détaillées avec F. F. Coup de construction singulière. Un seul peut exister dans toute la ville. Un sol est nécessaire pour l'activation. La taille de la structure, 3x3. Il faut 3 de bûches et 3 de roches. De nouveaux migrants arrivent à intervalles réguliers. Ok. Ah, ça me rappelle le jeu avec les nains, là. Je sais plus c'est quoi le nom. Ah, mais je peux pas. Il faut que j'ai les pierres, du coup. Ok. Ah, mais du coup, pour avoir des pierres, faut que je creuse. Est-ce que je vais pouvoir remonter ? Ah ouais, ça va. On peut transporter et sauter en même temps. Ça, c'est cool quand même. Là où d'autres plans sont situés, le plan ne peut pas être placé. Hein ? Ah ouais, ok. Si vous placez des plans sur les tuiles naturelles, une horde de minage sera placée. J'ai à l'esprit que pour construire la plupart des structures comme l'entrée de la ville, un sol adapté à la taille horizontale de la structure est nécessaire. Ouais, bah... Allez, l'entrée de la ville, ça sera ici. Hop, comme ça, c'est près des ressources, au passage. Sélectionner, et du coup, il me faut... Ça, c'est un peu chiant, quand même, comme façon de faire, tu vois. Genre, t'es obligé d'aller dans le menu, de le refaire. Bah après, d'après ce que j'ai compris, après, ce sera pas nous de le faire, vu qu'il y aura les ratus qui viendront nous aider. Donc en vrai, ça va. Il est temps d'accepter quelques migrants. Visitez l'entrée de la ville, utilisez F pour accepter les migrants afin de les faire devenir des ratoyens de la ville. Attends, F, vérifiez les migrants. Différents groupes de migrants visiteront l'entrée de la ville, mais quand beaucoup de groupes sont acceptés en même temps, les conséquences ne peuvent pas être mesurées, c'est-à-dire. Ainsi, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter un seul groupe à la fois. Ah. Avant d'accepter les migrants, utilisez F pour vérifier les détails. Maintenant, veuillez choisir avec qui vivre. Ah, donc il y en a un qui me propose de la terre pour venir, qui veut me soudoyer à la terre. Peu mangeur. Ah, c'est pas mal ça. Anarchiste. Ah. Alors ça, c'est moins bien du coup. Ça, c'est moins bien. C'est quoi ça là? F. J'ai pas terminé les détails. Ensuite, on a quoi? On a Marie la vagabonde. Elle a quoi? A droit, efficacité de production plus 20%, pessimiste, bonheur moins 3. Et ensuite, on a des aventuriers perdus. On en a un qui est inactif. Taux de perte de stamina plus 30%. Hypertension. Meurt quand bonheur tombe en dessous de plus 20. Ah ouais. Ah ouais, c'est sad. Taux de baisse des nécessités plus 30%. Ça veut dire quoi? Progressiste, bonheur plus 5 pendant 3 jours lorsque des politiques sont ajoutées ou supprimées. Putain, en vrai, ils ont tous des trucs chiants. Mais ça, je sais pas ce que c'est exactement. Taux de baisse des nécessités. Lui, il a carrément 2 points négatifs. Après, le fait qu'il crève, en vrai, est-ce que c'est un point positif au final, vu qu'il a pas des trucs de fou?
bonheur moins 3 efficacité. En vrai, peut-être que Marie, c'est la plus agréable. Hein. Elle perd juste 3 de bonheur. Après, on sait pas ce que ça veut dire exactement, genre si c'est régulier ou quoi. Mais elle, est, elle, elle travaille bien, quoi. En vrai, je vais prendre Marie. Confirmé. Bienvenue, Marie. Les migrants acceptés deviennent des ratoyens de la ville et suivent vos ordres. Les ratoyens travaillent avec certaines priorités. Travail, construction, collecte, minage et transport. Ok, donc transport en dernier quand même. La meilleure façon de modifier leur priorité d'action est d'attribuer le ratoyen à une certaine structure. Mais actuellement, il n'y a pas de travail, alors donnez l'ordre de collecte en utilisant Q pour que les ratoyens collectent des grains. Vous pouvez ordonner de ramasser en ciblant l'objet désiré. Lors de l'utilisation de clic gauche, vous pouvez contrôler la zone pour donner des ordres sur plusieurs cibles. Tout ce qui est dans la zone peut être ramassé. Ok. Utilisez tab pour annuler les ordres. Ok. Ah ok, quand on donne un ordre de ramassage, ils prennent les objets, peu importe qu'ils soient mûrs ou pas, quoi. Ok. Donc faut pas leur faire faire n'importe quoi. Vas-y, c'est bien ça. Et du coup, moi... Putain, ils sont beaucoup plus rapides que moi, par contre. Moi, je veux faire une échelle, là, encore. On va creuser. Touch. Hop. Ça va être notre cave. On a même de l'eau ici, là. Ça, je sais pas, on dirait des trucs d'abeilles. Vas-y, moi, je vais creuser, hein. La plupart des objets végétaux poussent avec le temps, alors considérez qu'il faut les enlever pour de l'espace ou attendre la prochaine récolte. Les objets comme le grain peuvent être utilisés comme nourriture pour les ratoyens. Quand ils ont trop faim, les ratoyens pourraient mourir. Veuillez fournir suffisamment de nourriture. De plus, le bonheur du ratoyen est affecté par l'hygiène et la joie. Alors cette fois, construisons des toilettes pour une hygiène basique. Les toilettes se trouvent dans la catégorie structure de service. Ah, les toilettes, je les mets où? Ah, elle va ramasser. Ah, tu régales. Ah, mais du coup, elle fait plus rien, là. Attends. En vrai, enlève-moi ces feuilles, là. Tout ça, là. Ah, mais elle pourra plus remonter, en fait, si je lui fais faire ça. Elle peut pas? Ça marche pas? Ok, c'est peut-être démolir alors. Ou alors minerai. Oui, merci. Ça, j'avais capté. Hein. C'est la même chose que pour le... Pour cueillir, en fait. Fais ça. Et moi, je vais faire une échelle. Vite fait, là. Avant de faire des toilettes. Voilà. Je te construis l'échelle. Hop. Voilà, là, elle pourra remonter comme ça. Les toilettes. Après, en vrai, les toilettes, je peux les mettre là pour l'instant. Et après, on pourra les mettre ailleurs. Il faut quoi? Il faut de la terre et des bûches. C'est quoi le... Ah oui, c'est... Ça, ça coûte 30 quand même. Ça fait un peu chelou de mettre des toilettes ici quoi. On les met à l'entrée de la ville, tu sais. Ah nous on n'est pas pudiques, nous. Ouais, je construis le bâtiment en prio. Excellent travail, maintenir suffisamment d'équipement de service est la clé pour maintenir le bonheur des ratoyens.
L'artoyen consomme également des nécessités et se distingue en classe selon la quantité de biens et de richesses qu'il possède. Cependant, les connaissances que nous avons acquises après la catastrophe ne suffisent même pas à satisfaire les besoins de base en joie. Alors, il est maintenant temps de construire une table de recherche. Ok. On a besoin de bois. Construisez une scierie. Ouais, j'ai envie de creuser là-dedans et faire une maison là-dedans. Par contre, on est tellement lent en vrai à... À creuser. Ah, ça donne tellement de bois, ça, en vrai. C'est incroyable. Je sais pas ce que je fais là. Les nouveaux migrants sont arrivés. Ah, j'arrive. Hop. C'est déjà la deuxième fois que nous accueillons des visiteurs. Ils sont tous prêts à s'installer. Mais s'il n'y en a aucun qui vous plaît ou s'il n'y a pas de place dans la ville, utilisez espace pour reporter la décision. Ah, on peut annuler quoi. Déteste se laver. Dormeur au sol, sérieusement. Optimiste, maladroit. Ah. Progressiste, maladroit. Grand mangeur. Coopérationniste. En vrai, je pourrais prendre lui à la limite. Il est pas incroyable, mais les autres sont pas ouf. Hein. Ils ont tous des malus à chaque fois. Après, peut-être qu'on peut changer ça plus tard. Non, ils ont pas fini encore de récolter. Sinon, je mets ma scierie en bas là. Ça a l'air d'être une idée de con, ça quand même. Oh, il y a un truc là, vous voyez, il y a une entrée. Ça, il y a quelqu'un qui ira le construire. En vrai, vas-y, je vais juste faire la scierie ici. Je mets tout à l'extérieur. Est-ce que je veux... Si, j'ai assez de terre, ça va. Ouais, je peux pas tout prendre, du coup. Ils vont tellement trois fois plus vite que moi à faire les trucs, c'est un délire. Attends, et du coup, on est 2 sur 20. Le bonheur à 68, ça c'est quoi? Voilà, ça c'est à faire. Attends, faut que je m'occupe de ça aussi. Vérifier les détails. La plupart des structures ne sont activées que lorsqu'un ratoyen y est affecté. Sur certaines structures, vous pouvez choisir les ressources à collecter ou à produire. Ok. Ah, vous pouvez consulter les informations. Ouais. Donc en vrai, là, je devrais fêter celle qui a plus 1%, quoi, logiquement. Voilà, Marie. Et du coup, elle nous fait des planches. Attends, est-ce que j'ai besoin de planches, en fait? Elle est faite automatiquement. Mais du coup, il faut que j'annule après. C'est quoi qu'on voulait construire déjà? Je sais même plus. Ah si, un truc de recherche, non? C'est dans quoi? Bureau de recherche, ça doit être ça. Ah, c'est ça, il faut 4 planches. Je peux le tuer, le lapin. Je suis pas du tout en train de tuer le lapin, là. Il y en a, le lapin. Arrête de bouger! Ah oh, bon, tant pis. On est à 2 sur 4. Moi, je continue à creuser par là.
En bouffe, on est à 18. Je ne peux pas agir parce que je tiens quelque chose. Ah merde. Mais pourquoi j'ai ramassé ça en fait? Lâche. Attends, on est long à creuser. Hein. On voit qu'on n'est pas censé le faire ça trop longtemps quoi. Assez de ressources ont été stockées pour construire. Il est temps de construire une table de recherche. Ouais. Ah mais le truc c'est que l'autre elle va continuer là. Arrête. Et touch. Oh ça on va construire là-dedans. On va construire ça ici. Boum. C'est con qu'on puisse pas emporter plus, quoi. Tu prends les planches. Ok, il va construire. Mais pourquoi tu dors, toi? Ah, on voit leurs besoins, là. Oh, ils sont pas au maths, hein. De nouveaux migrants sont arrivés. Allez. Viendez. Approchez-vous du bureau, mais laisse-moi tranquille. Vérifiez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un brave guerrier. Il a quoi? Anarchiste et grand mangeur. Non. Rapide. Ah, c'est pas mal, ça. Dormeur au sol. Bonheur moins 5 lorsqu'il a dormi sur le lit. Ah, mais ça, je peux pas choisir, en fait. Genre, il fait sa vie. En vrai, c'est pas si mal, ça. Il a pas de... C'est pas vraiment un malus, quoi. On a quoi, là? Royaliste. Inactif. Rapide et coopérationniste. Ah, ouais, c'est pas mal non plus, là. En passant le leader. Comment ça, en passant le leader? Ça veut rien dire. Taux de perte de stamina plus 30%. Quand il fait rien, genre? Ou quand il dort? En vrai, je vais prendre lui juste parce qu'il s'appelle Petit. Hein. Voilà. Ok, nouvel espoir. Ouais, vite fait, quoi. Recherche. On peut débloquer des structures. On a besoin de points de recherche. Qui peuvent être obtenus en collectant de nouvelles ressources. Ou produits dans le laboratoire. Ok. Utiliser F pour consulter les détails. Ok. Oh là là, on peut chercher un lit ou un stockage. Mais stockage, on a déjà. Ah mais c'est peut-être limité en fait. Ah non, mais ça c'est ce qu'on a déjà débloqué en fait. Je suis con. Donc là, je peux chercher un bloc de bois. Un chemin de fer, ah ouais. Y a pas de demi-mesure. Mini stockage. Station d'ascenseur. Oh, on n'en est pas là encore. Hein. Lidou. Medili. Lit avancé pour la santé. Ah, c'est genre pour les ceux qui sont blessés. Lit pour deux. Un toit fait de feuilles. Vas-y, on va chercher un bloc de bois. Ok. Du coup, on n'a pas besoin d'y rester, nous. Attends, je devrais peut-être donner des ordres de miner. On va agrandir ici, on va... On va jusqu'au bout. Attends. Je pense qu'on peut aller tout droit, comme ça. Et après, il faudra que je fasse genre un trou ici, et mettre des échelles et faire un deuxième étage, tu vois. Je pense que comme ça, ça sera pas mal. En vrai, l'écorce, on peut la laisser, hein. Je pense. On va faire ça et mettre un truc ici. Après, ils vont pas pouvoir creuser là-haut, mais c'est pas grave. Faudra juste que je rajoute une échelle. Et en vrai, moi, pour l'instant, je peux m'occuper de ce côté, du coup. C'est quoi ces trucs, là? C'est une pancarte, on dirait des lapins. Des lapins dans des trucs, dans des ruches. Logique. Parce qu'à la base, je voulais construire sous terre, mais vu qu'il y a un grand truc d'écorce, c'est pas mal. Du coup, on n'a pas à refaire les murs, quoi. On gagne des ressources. Par contre, moi, je veux bien miner, mais ramasser les ressources, en vrai, ça me fait chier. Hein. On a déjà terminé la recherche. Putain, mais ça a été giga vite. Un moyen manque de nourriture.
Mais on est à 18 de bouffe, comment ça se fait qu'ils en manquent? Il est à 99, vas-y, je vais le cueillir. Grain. Non. Touch. Ratoyant en quête d'hygiène. Attends. Et je peux pas construire des trucs pour la bouffe, genre? Service? Mais dans le service, on a que ça. Militaire, décoration, s'en fout, royal. Ah, on peut pas faire grand chose pour l'instant. Plan de collecte, c'est quoi? Mieux pour assembler un matériau cible. Tout ce qui est en forme d'herbe peut être collecté. Ah, ça peut être pas mal. Mais il va falloir faire plus de planches. On va assigner Marie. Touch. Voilà, travail. Ok, là on peut faire l'échelle. On peut en faire plusieurs. Ah, nice. En vrai, faudrait que je fasse un autre stockage ici aussi, je pense. Que si on doit à chaque fois se taper les déplacements, c'est chiant. Ah, mais merde, ils en ont pris déjà. Ah, c'est pas grave. Votre Majesté, seul un type d'article en nombre précis peut être tenu à la fois. Mais oui, mais c'est pas là-dessus que je cliquais en fait. Ok, ici c'est bon, ils pourront miner là-haut. On sait pas ce qu'il y a en dessous. Hein. Non, mais j'ai pas envie de creuser par contre. Non, on peut même pas. On a des options supplémentaires comme la zone d'effet. C'est-à-dire QR. Définir la plage. Si la zone d'effet est trop grande ou trop petite, l'efficacité peut être réduite. Ah, c'est genre tous les gens qui ont envie de faire leurs besoins, ils iront dans, enfin, en dehors de la zone, ils pourront plus, ils pourront pas aller ici. Ah, par contre, c'est bien, on voit un bon dézoom de la carte, ça c'est cool. Par contre, il y a un trou de fou ici là. Et du coup, ah oui, il faut que je fasse les recherches. Bloc d'ardoise, on s'en fout un peu, non, je pense. Bloc de roche, bloc de jungle, bloc de marbre, toit d'ardoise, toit en herbe. En vrai, le toit, on n'a même pas besoin de le faire pour l'instant. Station de porteur, un endroit pour transporter des objets. Ça peut être pas mal, ça, peut-être. Après, c'est pas clair, la description, mais ça peut être pas mal. Ah, mais je crois... Attends, en fait, il y a... Ah ouais, il y a... Ah ouais, il y a... Pour chaque catégorie, en fait. Oh. Ah. Incroyable. Filature. Boucherie, maçonnerie. Atelier de bois. Qu'est-ce qu'il me faudrait, en vrai? Bah, il me faudrait un truc pour la bouffe, peut-être. C'est quoi, ça? Pour traiter des animaux capturés. Filature. Un lieu pour transformer des fibres en objets. Ouais... Ça, c'est de la déco. Bureau de maintenance, boîte aux lettres. Putain, c'est incroyable en vrai tout ce qu'il y a. Ressources trouvées, 9 sur 131. À chaque nouvelle ressource stockée, obtenez un point de recherche. Et le laboratoire, comment je le construis du coup? Ah, je l'ai pas encore en fait. Attends, est-ce que je l'ai pas encore ou est-ce que... Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Il faut quoi? Il faut des planches et de la roche. Ah, ça va en vrai. Faut juste que j'aille récupérer de la roche ici. Roche. Ah, il y a des gens qui veulent venir. Non mais stock. Alors, Aaron. Athlétique, taux de perte de stamina moins 30%, hypertension, meurt quand bonheur tombe en dessous de 20. En vrai, ça va. En plus, il ramène du poisson, c'est pas mal. Économe, taux de baisse des nécessités moins 30%. Bonheur moins 5. En vrai, ça va aussi. PV max plus 30. Wow.
Royaliste, ok, c'est pas trop mal. Grand mangeur. Grand mangeur, c'est un peu chiant, je pense. Ouais, j'aime bien celui qui nous rapporte du poisson, là. Après, il a pas beaucoup de compétences. Je sais pas s'ils en gagnent ou si c'est des trucs qui changeront jamais, ça. Parce qu'il est pas très qualifié, mais bon. Il a des traits pas trop mauvais, il me semble. J'ai déjà oublié. Mais du coup, ça, c'est quoi? C'est les quêtes ou c'est juste... En vrai, ici, on pourrait faire des lits, hein. Je me demande si on peut pas même faire un étage de plus, en vrai. En allant en plus par la droite, là. On voit sur la carte aussi à quoi ça ressemble. Il y a peut-être moyen, en vrai. Hein. Il faut que je recherche encore. Ça va vite les recherches en vrai. Du coup, j'ai fait quoi là? Je fais la station de porteur. Mini stockage. Ouais, vas-y, je recherche ça aussi. Station de porteur, du coup, ça fait quoi exactement? Pour transporter des objets. Ah ouais, mais il faut des cordes. À partir de branches, on peut pas laisser ça ouvert, genre, pour voir ce qu'il faut exactement. Ça veut pas rester ouvert, c'est chiant. Ok, ouais, du coup, station de porteur, ça va pas nous servir tout de suite, quoi. Tranquille, ça avance, hein. On voit les PV, j'avais pas vu. En haut à droite, on a les PV des blocs qu'on casse aussi. 40 PV. Est-ce que j'ai des lits là, 10 que je peux faire? Ce serait dans quoi? Ah bah ouais, c'est là. Lit. On peut aussi s'y allonger. Et allonger un patient en urgence. Effet de service. Se repose, restaure un PV. Ça soigne 200. En vrai, je me demande, est-ce que je peux pas faire la... Bon, alors, je peux pas rechercher tout de suite, mais est-ce que je peux pas genre rechercher le lit superposé, tu vois. Après, ça coûte 3, mais on a 9. Mais du coup, ça économise de l'espace. En vrai, c'est pas mal, en vrai, si je fais que des lits superposés. Après, je sais pas si du coup, il faut agrandir le toit ou pas. Ou si 2 d'espace, ça suffit. Mais le problème, en fait, ce que je comprends pas, c'est ratoyer un manquant de nourriture, en fait. Comment tu manques de nourriture alors qu'on est à 18, en fait? D'ailleurs, le poisson, il est resté là. Enquête de joie. Quoi, vous êtes pas heureux, là? Bonheur. Nourriture. Mais du coup, quand c'est élevé, c'est de ces bons ou c'est de ces mauvais? De nouveaux migrants sont arrivés. Ok. Oh. Optimiste. À droite. Bah, il est nickel, lui, hein. Je crois qu'on va le prendre, hein. Militant. Bonheur plus 5 pendant 3 jours lors d'une bataille. Déteste se laver. Pessimiste. Économe. Progressiste maladroit, bah allez. Ok, la recherche. Recherche, c'est important. Recherche, après on peut... Attends, il me semble on peut voir, non? Si j'appuie sur F. Ouais, ok. On peut voir ce qu'il y a besoin pour construire. Du coup, je sais que là, on sait ce que ça donne aussi. Ça donne la même chose qu'un lit, c'est juste qu'il y en a deux pour le prix d'un, quoi. Ouais, c'est bien ça.
Ça, il faut les construire. J'ai envie de te dire rapidement parce que là, on est en train de dormir sur le sol, mais bon. Mais par contre, pour la bouffe, je sais pas. Genre, je peux rien faire pour l'instant pour la bouffe, quoi. À moins que je fasse ça, quoi. Contre Colette, mais je sais même pas, genre, ça sert à quoi exactement? Est-ce que je mets tous les trucs en mode comme ça, ça va être le bordel? Après, on a quoi dans les décos? Bac, banc à rat. Allez, un petit banc aussi. Un petit banc histoire d'eux, quoi. On se met bien, on se met à l'aise. On va mourir de faim, mais au moins on aura le style dans notre maison. Non, mais je veux pas ramasser ces chiens. Mais du coup, si je tombe dans un trou, je suis un peu dans la sauce quand même. Je suis en train de me dire. Genre là, c'est un gigatrou là. Ouais, c'est ça. Et en plus, on voit sur la mini-carte là, que c'est pas un petit trou quoi. Genre, il y a un espace de malade à combler. Est-ce que j'ai débloqué le bloc en bois? Ouais, je l'ai. Ça augmente la vitesse de mouvement. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je remplace tout ça pour mettre... Ah ouais, mais du coup, j'ai tout construit, quoi. Peut-être que je pourrais le faire, mais ici, à ce moment-là. Attends. Ah non, attends. Mine pas ça. On va faire comme ça. Et il faudra remplacer par des blocs en bois. Blocs en bois, ça demande quoi comme ressource? Ça demande des planches. Ah bah, va avoir du taf l'autre. Hein. C'est quoi ça? Ah oui, il faut déjà signer quelqu'un. Et la tâche, c'est quoi? C'est quoi ça? Sélectionner ressources à collecter ou à produire. Ah! On peut collecter tout, hein, non? On peut pas lui dire de tout faire? C'est quoi ça? Champignon de caverne. Qui est bon là-dedans? Rapide, dormeur au sol, adroit. Allez hop, ça va être Vincent. Le comportement de l'ennemi est suspect. Mais quel ennemi? Ah, ça y est, genre on se fait engrainer. Je sais même pas d'où ça vient, de quoi il parle, mais apparemment on se fait attaquer quoi. Enfin, on va se faire attaquer. Est-ce que je peux leur dire directement de construire ça? Alors que c'est pas encore en... Non, pas là, par contre. Un autre plan est déjà en place. Non, mais attends. Commande d'annulation. Voilà, ici. Ça marche, du coup? Ah ouais. Ah, c'est stylé, ça. Et du coup, j'étais peut-être pas obligé de leur dire de miner. J'aurais peut-être juste dû mettre le bois direct. Ah, mais est-ce que si je leur dis de faire ça ici, ça va marcher? Genre, si je fais ça... On va tester ici parce que c'est le banc, donc c'est pas grave s'il pète. Après, je suppose que on le perd pas quand même. Après, je vais pas te mentir que quand je vois les blocs de bois, je me dis que l'écorce est quand même plus beau. Hein. Ok, c'est dit superposé, on a fini la recherche. Qu'est-ce qu'on veut faire du coup? Cabane de chasseur, ça peut être utile ça. Allez-y, construisez. Encore? Hop. Et on va construire, du coup, un lit superposé. Ouais, on peut. Nice. Ah non, ça fait coupe. Ah. Ok, alors attends. Comment on annule? Faut que j'aille là et que je fasse... Merde, j'ai pas les ressources. Attends, comment j'annule? Je veux pas réparer en fait, je veux... Si vous placez une structure ou une tuile, vous pouvez la retirer avec l'ordre démolir. Tous objets artificiels, c'est-à-dire...
Vous pourrez récupérer toutes les ressources utilisées pour construire la structure. Ah merde, mais comment je fais? Comment j'annule ça? Ah, c'est là, je crois. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ok, nickel. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais agrandir ici. Et on va en profiter pour mettre un bloc ici aussi. Il faudrait construire ici, en fait. Touch. C'est dommage, ça va péter le toit, quoi. Et ces blocs-là, je peux pas les faire. Peut-être qu'il faut que je les recherche. Parce qu'en vrai, je mettrais bien quand même les mêmes blocs, histoire d'eux. C'est l'esthétique, quoi, mais bon. Y a pas bloc d'écorce. Bloc de grès, bloc de jungle. Bloc de roche, bloc de marbre. Bloc de jungle, c'est quoi? Mur avec une sensation de forêt profonde. Ou alors, sinon, je fais des toits, quoi. Je fais un vrai toit. Ouais, c'est chiant, en vrai. C'est du travail en plus, quoi. Vas-y, on va le rechercher, quand même. Ça taffe ou quoi, là? J'ai l'impression que la scierie, ça galère un peu, là. On est à 9 planches, remarque. C'est pas si mal. Touch. Naïf. XP moins 30%. Ah, il gagne de l'XP, donc. C'est intéressant à savoir. Calme. Taux de baisse de joie moins 30. Pacifisme, bonheur moins 5 pendant 3 jours lors d'une bataille. Ça peut être pas mal, ça. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'infos sur ce que ça donne, ça. Ces stats. Genre ça, a priori, ça leur permet de mieux se battre. Mais genre ça et ça. Ça, c'est peut-être genre la vitesse ou la collecte de ressources, j'en sais rien. Bon, on va prendre Sana. Après, je peux refuser aussi, en vrai. Mais bon, comment je peux faire ça, en vrai? Putain, mais si on fait un toit, faudrait tout enlever, quoi. C'est ça qui est chiant. Ça va coûter cher en ressources. Enfin, ouais, on va faire pratique. Ce sera pas beau, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait construire des espaces de stockage aussi. C'est dans quoi? C'est là? En vrai, un petit coffre, genre... Ah, ils ont pas perdu le banc. Oh, mais c'est incroyable, ça, comme... Comme nouvelle. Ça veut dire que je peux leur dire de faire ça, quoi. Ressources insuffisantes. Ah, si j'ai pas les ressources, je peux pas leur dire de... De faire. En vrai, faut que je construise une deuxième scierie, je pense. Hein. On va les mettre au sous-sol. Ce sera nos... Ça va être nos esclaves. C'est dans quoi? C'est dans production. 4 de terre et 2 de bois. L'autre, elle est en train de dormir sur place. Invasion. Quoi? Oh merde. Des ennemis ont creusé un trou pour envahir la ville. La ville est en danger. Ouais. Et comment on fait pour se défendre? Intervenez. Bah ouais, mais comment? Comment ça, j'interviens? T'as cru que j'étais... Comment je fais pour... Ah, attends. Changement de mode. Shift. Ah, voilà, c'est bon. Incroyable. Ok, je l'ai fumé. Ah, il y en a d'autres? Ils auraient pu le dire, quand même, ça. C'est quoi, ce truc? Attention, des rats agissant bizarrement s'approchent de la ville. Sortez votre arme. Mais tu pouvais pas le dire juste avant? Quelles interactions avec ces envahisseurs? Mais ils sont où? Quelqu'un s'est blessé. Oh, il est là.
Allez, je perds un peu de vie aussi. On voit pas notre vie, enfin on la voit là, mais on sait pas combien il y en a. J'ai géré, ça veut quoi? Sur le bouton G, vous pouvez consulter diverses informations sur la ville. Vous pouvez consulter des informations sur la prospérité, les économies, les rats. Ah, c'est incroyable ça! Vous pouvez vérifier votre état. Ah! Ne sont pas essentiels. Comment ça, pas essentiels? C'est quand même giga utile de savoir un peu comment. Économie. Comment ça, on perd 404? Ah, mais c'est normal parce qu'on gagne pas de thunes en fait. Je pense que c'est pour ça. On peut imposer des têtes et tout. Ah ouais. Ratoyen. Classe basse. Bon, appeler la personne et. C'est normal en même temps, on est au début là. Sans abri. Non mais on va faire une seule grande maison, on sera une grande famille. Ok, range ça. Mais c'est chiant ça là du coup. Non mais là faut que je construise d'abord. Ok, le toit il est démonté. Elle est construite elle. On va mettre quelqu'un ici. Qui est efficace. Athlétique. Vitesse de déplacement. Ah ouais, on va mettre petit. Vu qu'il se déplace plus vite, ça sera peut-être bien parce qu'il faut qu'il monte l'échelle et qu'il aille chercher les ressources à chaque fois. En vrai, pour bien faire, faudrait limite que je mette la deuxième scierie ici et que je mette un espace de stockage pour le bois. Ce serait mieux, je pense. Pleureur. Déteste se laver. Militant, intelligent. Royaliste, grand mangeur. Ah, c'est pas terrible, hein. Pleure quand bonheur est en dessous de plus 40. Vas-y, non, ça dégage, hein. Comment on fait déjà pour les renvoyer? Allez, dégagez de là. On veut pas de vous ici. Je me demande s'il y a une commande pour déplacer efficacement et facilement un bâtiment. Ah, la roche, ça a 75 PV quand même. C'est quoi ce bruit? Mais les mecs, ils sont pas heureux, là, dans la ville. Ratoyen en quête de joie, là. Mais les mecs, je fais ce que je peux, hein. Regardez, vous dormez au sol, c'est déjà bien, non? Vas-y, fais... Construire. Ici, on va construire un lit. Superposé. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une échelle ici. En vrai, le transport des ressources, je trouve que c'est un peu chiant. C'est peut-être le défaut que je pourrais voir. Genre, c'est assez relou à gérer. Genre... Non. Non, mais quoi? Pourquoi j'ai plus mes trucs? Pourquoi je les ai lâchés? Hop. Ah, elle est trop... D'accord. Elle a la flemme, hein. Elle a la flemme de faire le tour, elle passe par le toit, quoi. Et du coup, ici, on va mettre... c'est quoi le mieux, bloc de terre ou bloc de bois? Ou toit en herbe, en vrai. Comment ça, tu es... Ah, on peut mettre des coins, genre.
Bon, en vrai, je vais juste mettre un bloc, hein. Comme ça. On peut pas tomber des échelles, je suis obligé de les utiliser. Bon, ça, ils vont le faire eux-mêmes. Mais du coup, je peux pas savoir combien j'ai de planches sans regarder dans le stockage, quoi. J'ai l'impression de rien faire, quoi. Méticuleux. Un grain comestible des champs bien traité pour être cultivé. Mais ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Après, il a pleureur, mais en vrai, vas-y, je te recrute. Je te recrute pour ton grain. On a quoi? On a 16 planches, c'est pas beaucoup, hein, quand même. Est-ce que je peux déplacer un truc? Comment je pourrais faire? Alors, faut que je le démolisse, puis que je le reconstruise, genre. Ah, mais l'autre, elle est affectée, du coup... Ah oui, ils s'en battent les couilles. T'es au chômage, Marie. Je suis désolé de te l'annoncer, mais... production, scierie... Et en vrai, je vais mettre un stockage ici, quoi. Est-ce qu'on peut... Attends, faut que j'aille vérifier juste. Est-ce que dans les petits espaces de stockage, je peux leur dire de stocker que le bois, par exemple? Tu me diras, ça ne changera pas le problème, en fait. Comment on fait? Ah si, c'est là. Ah non, ça c'est le nom. Ah, c'est là. Paramètres d'achat, paramètres de vente. Comment ça, paramètres d'achat? Définissez les ressources que les citoyens peuvent déposer. Ah! Voilà. Donc par exemple, là, je peux enlever le bois ici. Enlever le bois ici. Et à la limite, faudrait que je fasse un... Mais après, ça change rien parce qu'en fait... Parce qu'en fait, ça veut dire que ceux qui iront chercher les planches, ils devront descendre. Après, d'un autre côté, ils sont plus nombreux. Donc peut-être que c'est mieux quand même. Attends, vas-y, miner ici. Tac. Ils travaillent pas là, faut les faire taffer un peu. On va faire ça. Pourquoi il y a... C'est quoi? Ah, faut déjà signer des gens ici? Affecter un ratoyen. Alors, il a quoi lui? Hypertension. Tiens, toi t'as le droit d'y aller. Et ensuite on a qui? Maladroit, optimiste. Allez Bernard. Ah mais non putain, c'est... Il y en a qu'un seul ici. Faut que je mette ici. Bernard et Aaron, ils seront dans le même lit superposé. Touch, minerai. Ici, on va miner. On mettra des lits partout. Est-ce que je peux les mettre, genre... sans trop d'espace? Ah ouais, je peux les coller, en vrai. C'est incroyable, ça. Hop là, la petite chambre. Nous, on optimise l'espace. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, ici, on va construire... Construire un mini stockage. Voilà. Lui va la construire. Ouais, il va la construire. Fait deux par deux quand même. Après, dans mini stockage, c'est quoi la différence exactement? Ah, c'est jusqu'à 20. Et on peut pas dire genre... Parce que le truc, c'est si je leur dis de mettre tout le bois là-dedans, mais que là-dedans... Le problème, c'est qu'il risque de... Il risque d'y avoir du bois partout par terre, en fait, parce qu'on en a beaucoup trop. Genre, on est à 150. Ah, mais non, mais c'est les objets. C'est le nombre d'objets, en fait. Ok. C'est pas le nombre de... C'est pas le nombre par objet, en fait. C'est pas pareil.
Voilà, on va faire ça. Hop, et du coup là, normalement, il devrait... article non stockable. Ah ouais, mais du coup, soyez pas cons, non? Ouais, c'est ça. Ok, nickel. Et là, du coup, on va réaffecter Marie. Hop, nickel. Et là, du coup, on a deux Siri opérationnelles. Je sais pas ce que ça fait l'eau, mais... Le bonheur, il est en train de baisser. D'ailleurs, j'avais pas vu, on est à 44. Touch. C'est quoi ça? C'est le... Une alimentation en eau stable est essentielle pour l'agriculture. Non mais faut que je m'y mette à l'agriculture en vrai. Fragile et royaliste. Royaliste, solide, progressiste, adroit. Bon, nickel ça. Bon alors attends, comment on fait pour faire de l'agriculture en fait? Ça va être ça quoi, avec le gris. Comestible des champs. Bien traité, il pourrait être cultivé. Recette. Oh, ok, ça nous donne des trucs. Mais du coup, est-ce qu'il faut... Faut que je le fasse moi-même, ça, je pense. Parce que je peux pas vraiment donner... Lui, il peut juste couper, quoi. Il peut pas cueillir, en fait. On est d'accord que personne peut le faire, genre. Batterie. Batterie? C'est quoi? Des chauves-souris. Ah ouais. De bûcheron. Atelier de bois. Sert à quoi? Transformer le bois en objet. Outil, tonneau, engrenage. Ah, c'est peut-être utile ça en vrai. Est-ce que je peux donner plusieurs recherches en vrai? Lit de massage. Ah ouais, on peut. Incroyable. École. Hôtel du rat. Une compétence peut être utilisée. Putain, mais la démo, elle est vachement grande par contre, hein. Parce qu'en vrai, si les trucs, point d'interrogation, c'est les trucs qu'il y a dans le jeu complet. Genre, on peut faire tellement de trucs, en vrai. Voilà, il y en a pas mal quand même. Mais il y en a où il y en a peu, hein. C'est une dinguerie, hein. Tout ce qu'on peut faire dans la démo. Ok, touch. Et du coup, je voulais faire quoi? Je voulais planter. Et du coup, pour planter, faut d'abord que je fasse la place. Je pense qu'il faudrait aussi que je fasse des barricades. Ouais, faudrait creuser ici, là. Alors, creuse-moi ça. Comme ça. Peut-être. Ah, mais non, mais du coup, ça fait un truc chelou, non? Comme ça, ça fera un petit escalier. Voilà. Voilà. Ensuite, ici. Touch. Et ensuite, ah mais est-ce que sur la terre je peux faire pousser les grains du coup? Enfin, sur les blocs de terre? Parce que en vrai ça compte seulement la vitesse quoi.
Ouais, c'est pas mal. Faudrait que je fasse ça partout, en fait. Genre, les blocs comme ça, faut que j'en mette partout, en fait. Et je peux attribuer des gens. Alors, ceux qui aiment dormir au sol, on va pas les mettre, je pense. Eddie. Adroit et progressiste. Touch, et tu vas aller avec... Adroit, pessimiste, rapide, dormeur au sol, calme, pacifiste, optimiste, royaliste, méticuleux. Vas-y, mets-toi avec Marie, touch. Et ici, lui dort au sol. Sana. Et Vincent. Et on a encore un lit. Et il se casse quand j'y vais. Ok. Touch. Bah nickel, tout le monde a une résidence. Une résidence, un lit quoi. C'est nickel. Pourquoi je fais ça? Moi, je... Si on va faire ça... Juste là. Voilà. Et ici, on peut... poser ici. En fait, j'aurais juste dû mettre l'échelle, ça aurait été plus simple. On va faire comme ça, voilà. Ça c'est bon. Touch. Mince, je me suis trompé. Hop, ça c'est bon. Nickel. Bon, et ben ça avance bien. Putain, en vrai, bah du coup, on en aurait eu pour une heure là. En vrai, c'est pas mal. Je pense. Je vais essayer de continuer, on va s'arrêter là pour cet épisode. Mais je vais essayer de refaire un épisode à voir. Mais en vrai, le jeu, j'aime bien ce genre de jeu, tu vois. Dans... J'avais testé Oxygen Not Include, mais je sais pas, ça m'avait moins pas plus de la même façon, tu vois. Mais là, le fait qu'on puisse contrôler notre perso et en même temps donner les ordres et tout, je trouve que c'est assez sympa quand même. Tu sais, c'est pas genre tu gères tout un groupe, en fait, c'est genre tu gères ton perso qui gère un groupe. C'est un peu différent, je trouve. Et c'est sympa. Par contre, c'est vrai que c'est assez lent, je trouve, à avancer. Après, peut-être que je gère pas bien le truc non plus, mais c'est sympa quand même. Bref, YouTube, sur ce, je vous dis à bientôt pour peut-être la suite. Et sinon, à bientôt pour de nouvelles découvertes, hein. Allez, salut !